Alors c'est parti, on part en vacances, épisode 1, générique, allez on va sur la route. Clémence, t'es prête? Tu montes ton pouce? Ok, Jeanne, t'es prête? Tu montes ton pouce? Voilà. Ok, allez, c'est parti, c'est chargé, on a tout fermé. Go! Bon, on a enfin pris une décision, alors je vais vous montrer où on compte aller. Voilà. Donc on habite Clisson, à Vendre Cholet, Bressuire. Ensuite, on va essayer de couper comme ça. On va voir si c'est pas trop... trop ennuyeux parce qu'on l'a jamais fait. Châtellerault, ensuite Châteauroux, voilà, ensuite Bourges, Nevers là, Château-Chinon, voilà. Là on aimerait faire une pause près du petit lac là de Château-Chinon parce que demain Charles a du boulot. Alors là-bas je pense que on a vu un coin où il y avait un lac, des jeux et j'espère de la wifi parce que sinon, enfin de la 4G. Et puis ensuite, on va continuer tout droit. On va aller dans le Jura et puis il veut aller absolument à Besançon parce qu'il aime bien les villes avec des fortifications Vauban. Et puis après, on sera dans le Doubs, le Jura. Et là, évidemment, on n'a pas décidé. On va aller au saut du Doubs. On voudrait aller en Suisse aussi. Enfin, voilà. Déjà, donc on avait bien dit ça. Hein, c'était à gauche en sortant de la maison, quoi. Et puis après, tout droit, on coupe la France en deux à l'horizontale. Voilà, on vous fera des pauses à chacune des étapes. À tout à l'heure. Regarde ici. Ah oui. Alors là, on vient de sortir d'un petit village qui s'appelle Levroux. On s'est arrêté pour prendre de l'essence. Ce midi, on s'est arrêté pour pique-niquer, mais c'était pas un endroit superbe. Alors on n'a pas fait d'image. On avait une petite table de pique-nique, c'était cool, mais bon. En tout cas, aujourd'hui, c'est le chassé-croisé. Donc normalement, y a plein de monde sur les routes et... je vais vous montrer que si on prend cette route là de Levroux, c'est-à-dire entre Châteauroux et Bourges, en fait déjà c'est magnifique parce que on est dans les champs de blé, les champs de tournesol de temps en temps, mais surtout du blé. Et voilà, la route elle est toute droite et honnêtement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas même croisé une voiture. Comme de toute façon maintenant on peut pas rouler à plus de 80, on est bien. Voilà. Donc on arrive tranquillement sur Issoudun, on va passer au sud de Bourges, Nevers, et puis on devrait être comme prévu à Château-Chinon ce soir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ils arrivent à en faire des montagnes, mais de bottes de blé, c'est vrai que chez nous. Il y en a pas mal en rouleau, quoi, parce qu'ils les gardent pour leurs vaches, leurs animaux, voilà. Et là, ici, clairement, c'est pour faire de la farine, quoi. Il y a encore un autre moulin là-bas, voilà. Je pense qu'ici, ils font des pâtes, Charles, ça doit te plaire, c'est pays de pâtes. La pasta. Alors, c'est quoi le nom de ce village? Brion. Ouais, Brion. Ah, Brion dur, Brion fort. Alors, je sais pas comment il s'appelle ce village, mais c'est vraiment beau. Ça ressemble à une église bretonne un peu. Hein. Il y a des canaux. Ouais, c'est vraiment une ville sur l'eau. Ah, il y a même un château, regarde. Ah ouais, c'est beau, ouais. C'est magnifique. Je joue avec Jeanne et je n'ai pas eu le temps de regarder. Ah, c'est une basilique alors. La table est rond par.
Ouais, ça devait être à l'époque de la royauté, ça devait être des places fortes. Une place forte avec la belle église et puis le gros château. Ah oui, elle est magnifique cette basilique. Elle est magnifique. C'est beau, hein. Donc on était à Châteauneuf-sur-Cher, et bah oui, évidemment. C'est connu, Châteauneuf-sur-Cher? Ah oui, pour sa basilique. Évidemment. Ah bah ah oui. Ah ouais, d'accord. Allez, c'est reparti. On arrive à Nevers. Elle est belle la cathédrale. Hein. C'est magnifique. Hein. Enfin de... Il y a la police, t'as ta ceinture. Ah, désolé pour cette interruption, j'ai vu la police, j'ai caché la vidéo. La caméra. Comme si j'étais en flagrant délit, je sais pas. Plus réflexe, n'importe quoi. En flagrant délit de YouTube. De YouTube. J'ai pas. N'importe quoi. Et la police, oh, je voulais tout planquer. Ah, c'était un peu fortifié, on dirait, à l'époque. Ouais, ça a l'air d'être... Première fois de ma vie, ici. Je suis content. Bah ouais, moi aussi. Cool, bah voilà, on arrive au spot. Ça y est, on connaît le nom, c'est le lac de Panossière, au nord de Château-Chinon. Donc voilà, on va arrêter ici cette vidéo. Donc, bah, comme d'habitude, hein, petit pouce. Ah, il y a même des pêcheurs, on peut pêcher. Vous n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seule motivation. Et puis bah, surtout, abonnez-vous pour suivre la suite des vacances. Allez, voilà. Allez, ciao, générique de fin.